Juliette, pour moi, c'est une histoire d'amour, une grande histoire d'amour, surtout. Ça évoque deux contre le monde entier. L'amour de Roméo et Juliette, c'est très jeune et c'est très pur. C'est quelque chose qui traverse les époques. C'est un drame qui peut être adapté par des sensibilités extrêmement différentes. Tous concourent à la même chose, au même drame, au même accomplissement, ou plutôt au non-accomplissement du bonheur de ces deux-là. Voilà. Donc ça prouve que le drame shakespearien est proprement génial. Ce qui est plus fort que tout dans un opéra, et surtout dans notamment celui-là, c'est la musique. C'est les duos d'amour, c'est ce que raconte l'histoire de ces deux personnages. Ça dépasse toutes les époques. Les personnages, c'est fantastique. Parce que tu peux faire l'amoureuse, tu peux faire l'agressive. Vous êtes en train de vous battre là, vous êtes là, d'accord? Ok, voilà, très bien. Zombie, mon bonheur. Papa. Permettez que je vous remette. Que ce soit la pièce de Shakespeare ou l'opéra de Gounod, ce sont des machines de guerre à émotion, quoi. Ce sont des chars qui se posent et qui vont nous emporter. Il y a des opéras où on doit montrer des choses, où on a envie de montrer des choses, et puis il y a des opéras où le metteur en scène, me semble-t-il, mais bon, ça dépend de l'inspiration, doit s'effacer aussi devant la force du propos. S'ennuyer à l'opéra, ça c'est raté quoi. Ces génies qui étaient Shakespeare, Gounod, ils faisaient rien d'ennuyeux. Hein. Si on leur ennuyeux, alors on a mal fait notre travail.